Sophie Davant fait beaucoup parler d'elle en ce moment. Il faut dire qu'avec la sortie de son livre, elle est sur tous les fronts. En effet, le 19 mai dernier, elle a sorti un ouvrage intitulé « Tout ce qui nous lie ». Dans les pages de son livre, elle explique avoir déjà eu recours à la chirurgie esthétique, cette pratique encore beaucoup trop taboue en France. Elle avoue sans complexe avoir eu besoin de quelques injections de Botox et d'acide hyaluronique avant d'ajouter quelques lignes plus loin. Je ne vois pas pourquoi il y a tant de non-dits et de mensonges autour de ça. Je ne vois pas pourquoi on n'assumerait pas. Moi je fais un métier d'image, je dois rester présentable. La médecine esthétique a des moyens de faire en sorte qu'on ait recours à ces techniques sans que ça se voie. Des injections, des lasers qui permettent d'avoir bonne mine, de donner l'air qu'on revient de vacances. Ce que je déplore dans ce domaine, c'est que des femmes de plus en plus jeunes, qui veulent ressembler à des stars des réseaux sociaux, se fassent grossir la poitrine ou la bouche. C'est assez déplorable. Invitée à la table d'Anne-Elisabeth sur France 5, hier, vendredi 28 mai, Sophie Davant a évoqué l'histoire de Xavier Dupont de Ligonnès. Lors de l'émission de C'est à vous, l'un des chroniqueurs d'Anne-Elisabeth Lemoine a présenté avec humour un magazine intitulé Xavier Dupont de Ligonnès Mag. Ce dernier s'est arrêté sur la photo d'un comédien inconnu pour illustrer un article. Il a ensuite évoqué la possibilité de retrouver ce dernier dans le magazine féminin de Sophie Davant. Quant à Anne-Elisabeth Lemoine, elle a évoqué la possibilité qu'il soit en une du magazine de sa consœur, Sophie Davant. La jolie blonde a répondu, cela dit, si je le retrouve c'est un vrai scoop. Anne-Elisabeth Lemoine a ensuite évoqué les nombreux projets de Sophie Davant. L'animatrice a alors tenté une nouvelle blague en lui répondant, « Après, je vous promets que je disparais. Je vais rejoindre Xavier. » La rédac a lire aussi Adblock Tête.